Ah, il fait chaud, vous trouvez pas? Oh putain. On peut te shooter si tu veux. Hein. Alors, c'est... Bonnes aiguilles là. Non, 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 pas les aiguilles, pas les aiguilles, pas les aiguilles. Non, mais parce que j'ai une bossa novanienne. Des fois, j'ai des remontées de bossa nova, ça me prend de couche, je suis désolé, docteur. Oli, tu veux faire quelque chose? Ah, non, 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 faites pas ça, faites pas ça. Hey, salut à tous les amis, c'est JP de la chaîne Juste pour Jouer, bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau live sur GTA 5 RP, enfin du GTA 5 RP. Est-ce que tout marche bien? Est-ce que mon son m'entend bien? Bonsoir. Bonsoir shérif. Comment allez-vous? Bien et vous? Ah. Mettez-vous juste là-bas. C'est vous qui avez le véhicule de patrouille qui est juste derrière vous, on est d'accord? Affirmatif, lustré, nettoyé et j'ai passé l'aspirateur il y a deux jours. 6 Lincoln 22, 18 secteur 2. Bien reçu, bonne patrouille. Du coup, vous me confirmez, on change pas d'état, hein? Non, changez pas. Non, non, non. Allez-y, tout droit. Ça passe. Allez, garez-vous. On va aller au trou, les faire le pointage dans les vestiaires. Venez derrière le bureau. J'arrive. Ne vous mettez pas en dessous, hein? Alors, messieurs, ce soir, nous devons aller en code 3 directement à la Pacific Bank. Nous avons hors de sécuriser le triathlon qui va s'organiser au niveau du nord de la ville. Je vais vous laisser, je vais aller avec l'officier Owens, ok? Merci, bonne journée. C'est toi? Attends, ouais. Bruce? Ouais. Bruce Bank? Ouais. Oh mais mon pote, comment ça va? Oh. Mais ah bah, y'a Bruce en fait. Eh mais putain, mais ça me fait plaisir de te voir. T'es bien arrivé? Eh ben, écoute, je viens d'arriver, je viens de me faire ma carte d'identité là-haut et puis je vais aller me faire le... Donc si jamais il faudra repasser vers nous, qu'on puisse vous donner un téléphone. Une fois que vous avez le téléphone, on pourra vous envoyer vos données bancaires. Comme ça, vous pouvez accéder depuis votre téléphone. Eh ben écoutez, merci bien. Et puis je repasserai. Bonsoir. Je me permets de vous déranger. Je sais pas si vous vous souvenez de moi. J'étais venu vous apporter pour refaire mes papiers. Et j'étais parti précipitamment suite à une intervention. Comment ça me connaître la bancaire? Parce que putain, le nombre de fois où je suis venu la voir, parce que soit je m'étais fait voler mes papiers, soit j'avais perdu mon compte, soit juste pour venir discuter. Je suis arrivé il y a quelques semaines et j'ai recroisé Harry et du coup, de fil en aiguille, je rejoins la police. Non mais c'était une blague, oh, c'est bon. Du coup je dois la lâcher moi. J'adore son accent, il a l'accent de Apu du coup qui marque dans les Simpsons, c'est tellement bien. On a deux personnes dans notre... Je sais pas si je peux prendre Bruce en stage d'observation. Est-ce que ça t'intéresse que je négocie avec le shérif pour prendre en stage d'observation ce soir? Bah écoute, carrément hein. Est-ce que vous m'autorisez à prendre Monsieur Banks, qui aimerait rejoindre les forces de police plus tard, en stage d'observation? En fait, le problème, c'est qu'elle a les cheveux longs. Ah. Je vois. C'est AFP, c'est ça. Monsieur Machu Picchu, est-ce que je peux utiliser 30 secondes votre bureau, s'il vous plaît? Bien sûr, Machu Machu Picchu, elle va pas déconner non plus. J'aime bien. Oh non, il a appelé Machu Picchu, je suis mort de rire. Vous croyez que j'avais un surnom mignon, quoi? Mais oui. Surnom... Monsieur Banks. Oui, bonjour. Bonjour. Mettez ceci, monsieur. Merde. Ah d'accord. C'est une blague. Redonnez-le-moi celui-là. Je vous l'en prends. Bon général. Oui. Ça c'est le pantalon des chiens. Non, rendez-le-moi ça. Ça du coup. Super comme. Mais dis donc, chéri. Oui, redonnez-moi le pantalon, s'il vous plaît. J'espère que personne ne regarde. Ah bah je suis... Ah bah... Ah. Voilà, comme ça dérange plus, j'ai plus le plus grand stagiaire MDR. Oh oui putain, j'ai plus le stagiaire comme tu dis. Alors je crois que tu as dit 6 fois effectivement. Eh bien effectivement, ils ont ouvert la malle de la voiture de police pour pouvoir ranger tout dedans. Juste avant de courir, c'est pas mal, oui. Ah bah non, en fait... 10-4. Oh la bordel. Arrêtez cette voiture! Le Sunstone! L8 pour dispatch, on a le shérif Sunstone qui a été percuté par un véhicule. Je répète, L8 pour dispatch, shérif Sunstone percuté par un véhicule. Code 99, centre de Vinewood, Attel Street devant la banque. Code 99, shérif au sol. Est-ce que quelqu'un a signalement du véhicule? Okay. Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un a vu le véhicule? C'était un véhicule noir, type sportif. J'ai pas pu relever la plaque. D'accord. Ok, c'est un véhicule noir, type sportif. Dernière position connue, la banque sur le centre de Vinewood, Alta Street. Il se dirigeait direction ouest, je répète. 10-4, allez-y 08, moi je reste pour balisage. Reçu, on y va. Cadet. Ok, 10-4, Alta 09, départ Patrick. Ouais, il est où Menteur? 69 pour Menteur. T'as entendu l'explosion?
L8 pour ouais, unité, ouais, on a une explosion sur Rockford Hills, Rockford Drive. 10-4. Ok, on a un véhicule en feu sur notre position, ah. Dumpstall Drive. 10-4, appelez pompier. Explosion, explosion sur Steelway. Apparemment, je pense que c'est le super sportif qui a eu un accident sur notre position, Rockford Hills. Ok, L8 pour rendre compte, on a deux véhicules accidentés sur Rockford Hills, dont un des deux véhicules de la course poursuite présumée. L8 1097 pour rendre compte, deux véhicules accidentés qui se sont télescopés. On a une victime confirmée. Déclarée morte, deuxième victime postique qui n'est pas encore vérifiée. 10-14 pour centrale. 6-L sous 9 pour centrale. Le shérif Homestone est évacué par EMS. Putain. Suite à une percussion par un véhicule noir. On va pouvoir libérer la route. Il est en route pour l'hôpital. Il est sérieux lui? Ah ouais, bah je comprends maintenant un peu mieux pourquoi vous êtes laxiste avec les permis. Oh, mais non. Toi aussi, tu vois qu'on part dans un autre monde. Le conducteur doit sortir. Vas-y, sors. Oui. J'y vais. Au revoir. Ah. Attends, ça m'a pas tué. Oh non, ça m'a blessé. Oh non. Oh, oh putain, je me suis niqué. Belle. Vous ne passerez pas. C'est mon ami. Mon collègue. Mais. Allez. Ah, bordel. Oh putain. J'ai froid. Brice, j'ai froid. Non. J'ai froid. Vraiment. J'ai froid à la lumière. Je sens plus mes jambes et mon bras me fait mal. Je reviens sur la terre, qui s'est passé? Mais je me suis un petit bug qui a amené à un accident assez violent. Oli, donne-lui un tumeur. Oui. En addiction. Chérif. 6L69, j'ai une remorque abandonnée au milieu de la route. On va t'injecter de la morphine, ça va aller mieux. Tiens, j'ai pas les piqûres. Oh, oui, ça va mieux. Oh. Trop tard. C'est trop tard. Ah, ça va mieux. Ah, oui. Je vois le monde. Jésus, c'est toi? Ah non, c'est l'écureuil. Ah ouais. Oh, ça va mieux. À boiter, monsieur Peterson. Pensez à boiter. Vous êtes des anges. Oui, comment on fait pour boiter? Oui. Non, la marche. Boiter. La marche. Boiter. Marcher. Boiter. Ah oui. Non. Je sais pas boiter. Vous faites. Comment dire? Comme sur GPS. 09, répétez s'il vous plaît. C'est pareil. Tout en haut. Allez. Sur le brancard. Ah. Ça va pas trop mal l'intérieur de notre ambulance? Juste les jambes. Bassin, ça va? Le bassin, un petit peu mal sur le côté droit, mais sinon ça va, oui. Donc tu bouges pas, on te fait des radios. Sinon, D'accord. On te sangle. Ah non, ça ira. Je vais faire un truc, les amis, vous allez voir. Ça vous dérange pas si je mets un peu de bossa nova? Ah, ça va bien. Ah, ça me détend. Ah, je suis bien. Ah, il fait chaud, vous trouvez pas? Oh putain. Si on pourrait rester tranquille quand vous faites des radios, s'il vous plaît. Pardon, peut-être un peu trop rapide, j'avoue, je suis désolé. Je vais vraiment vous attacher, hein, je rigole. Non, pardon, je reste calme. Ah, ouais, bah y a intérêt. Ah, c'était rigolo ça quand même. Tu souhaites réellement participer ce soir? Dites-moi tout, docteur. Pardon? Au triathlon? Ouais. Alors non, ah, plus en tant que flic, parce que là... Ah oui, non, mais moi, de toute façon, j'avais prévu de m'asseoir et de regarder, hein, j'avais pas... Enfin, de je veux dire, de sécuriser. Bah là, en fait, là, tu le sens pas spécialement, mais en fait, t'as une rotule là qui est déboîtée. Ah d'accord. Et l'autre jambe, t'as une fracture au niveau du tibia. Après, si tu comptes participer en regardant, tu peux rester en passager ou à l'arrière d'un véhicule. Attendez ou tout ça. Oh non, ça repart. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il vous fait? On peut te shooter si tu veux. Hein. Non, c'est. Si tu veux, ça s'arrête. Pas... Je vais aller chercher ce qu'il faut. Non, attendez, non. Prends des bonnes aiguilles là. Non, pas les aiguilles. Non, mais parce que j'ai une bossa novanienne. Des fois, j'ai des remontées de bossa nova, ça me prend de coup, je suis désolé, docteur. Oli, tu veux faire quelque chose? Non. Faites pas ça. Oh mon dieu. Chérif, venez me chercher, rendez-moi ma radio. J'appelle le code 99, vous allez voir le SWAT, ils vont te tomber, vous serez pas prêts. Ça va, vous êtes prêts? Faire mal, mais ça va soulager après, et ça va bien craquer. Non, j'aime pas les aiguilles, moi j'aime pas casser. Attends. Ah non, c'est pas l'aiguille. Y'a pas d'aiguille. Juste qu'on reste à rotule. Quoi,
Vous déplacez qui? Non, mais je pense qu'elle est bien là. Je pense que je veux vous. Vous êtes. Non, oh, non, en non. Plus, il est tard et non, je pense non, pas non, qu'elle dérange ça. Attache-lui les mains là. Oh putain, bordel de merde. Non, attends, je vais tenir. Je connais le numéro de la police, hein, je peux vous dénoncer. Je suis pas sûr que ce soit très légal ce que vous faites. C'est bon. Déplacer les gens comme ça à cette heure-ci, sans forcément qu'ils aient envie. Oh, d'où Jésus. Ah, je suis en train de passer un très très mauvais moment. Je crois qu'on va passer en lumière rouge. Je sais pas ce que vous en pensez. Non. Vous êtes prêts? Je sais pas si forcément le mot prêt est plutôt bien. Parce que je pense que je. Ah! Tant pis. C'est le nom de Dieu! Vous avez pas prévenu comme vous l'avez fait! Attendez, j'ai rien fait. Elle a rien fait. Vous avez rien fait? Attendez, si vous entendez crack, c'est que ça l'a fait. Voilà. Vous pliez le genou, attention. Toujours, on fera un petit, attention. Petit crumble quand on rentrera à la maison. Moi, j'aimais beaucoup le crumble de maman parce que moi, je trouvais que. J'avais promis que je pleurais pas. Et voilà. Putain, je vais vraiment pleurer en plus. Et voilà. Attendez. Je vais enlever, je vais mettre une lumière verte, une lumière maintenant, qui agresse un peu. Maintenant, tu mets une attelle. Tu prends un strapping et tu mets. Ouais. Et maintenant, faut s'occuper de la fracture. La facture. Oh, mais la facture, vous verrez avec mon patron. Je vais peut-être y aller moi du coup. Vas-y, va choisir la couleur. Non, le plâtre. Quelle couleur? Du rose. Allez, ah, le plâtre. Rose. Alors non, oui, parce le que plâtre. Je. Du rose. Il y a du violet aussi, sinon. Ah, bah c'est une bonne couleur, le violet, ils sont pas à avoir honte. Hein. Mais qui, tu les veux de quelle couleur? Je sais pas. Du rose. Encore du rose? Ah bah si, c'est oui. Choisi, on va mettre que du rose. Hein. Pour je trouve ça très triste, vous voyez ça. Des fois, ça monte aux yeux. Je sais pas le dire comme ça, mais. J'aimerais vous remercier pour le travail que vous faites, parce que c'est vrai que c'est. Bon, fortement bien. Les gens. Allez-y. Je souffre. Excusez-moi, j'aime bien mettre de la musique. C'est plus épique, je trouve ça. Ah bah attends, je vais chercher de la morphine. Ah non, va chercher une petite seringue. Pourquoi il y a marqué broken sur la machine? Parce que je parle un petit peu anglais et broken, si je me trompe pas, c'est ça veut dire fonctionnel, non? Mm-hmm. Oui, c'est bon, tu peux te lever. Allez, un, on va t'aider. 2, 3, ça. Nom de Dieu. Oh là là, c'est pas possible. J'ai glissé, chef. Par contre, là, comment tu marches, on dirait que t'as un balai dans le cul. Bah, effectivement, c'est un peu la sensation ressentie actuellement. C'est la classe. Hein. Rien du tout. Oh, un petit peu quand même. Oui, avec un plâtre rose, oui. Forcément, là, une couleur idéale, mais bon, c'est quand même. Ça rejette, quoi. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas mal parce qu'on me voit de loin, finalement. J'ai bien l'impression que quelqu'un a laissé la radio ouverte. J'ai l'impression qu'il fait chaud dans ce véhicule. Il fait pas chaud du tout, sinon vous ouvrez une fenêtre. Ah la merde, il est parti. Ça m'a répondu ça. Il fait chaud, bah ouvrez la fenêtre, oui, faites donc. Vous avez qu'à sortir, c'est les bandes lèvres, ouais, ça y est. Bon, On est arrivé. Madame la secouriste, au plaisir de vous revoir. Je vais aller voir si mon iPod fonctionne toujours là-bas. Apparemment. Oh! Motard sur la route, plusieurs personnes au sol! Plusieurs personnes au sol! Putain, et Yam, il vient de cracher, oh mon dieu, mais c'est le bordel! Oh mon dieu! Il faut faire demi-tour, j'ai Banks qui a déclenché le panic button. Il est dans un ravin un peu plus haut sur la route. Oui, j'entends un cougar! J'entends un cougar! On a des cougars sur notre position! Il y en a un qui va arriver en haut!